travaille 10 minutes, 10 minutes avec le jouet, ok? Corde number 7, 8, 9 et 10, ok? Ils ont gagné un jeu, je crois, après, là, il y a 40 ans. Ah, là, il y a Christo. Au bois. Pour l'instant, mon coéquipier, il n'a pas été chaud aussi. On a commencé direct. C'est ma faute, je tiens à le dire, mais on va se revoir dans le dernier carré. Voilà. On va, t'inquiète pas, on parle pas. On va gagner le tournoi, mais on le dit pas pour l'instant. Bah, sur les joueurs. Valère, je pense. Ah non, Valère joue avec Costas. Non, parce que je viens de jouer contre Costas et il tient sa raquette comme une poêle à frire. Il peut vite progresser, peut-être. T'as joué, Bouda, le mec qui tire dehors. Tu parles, mon frère, il faut parler. Oh, is this match? Come on, guys! Let's go to the beginning! On est reparti. On va le gagner ce tournoi. Qui aurait pu quelques heures auparavant les retrouver si loin dans le tournoi? Ben oui, mais comme quoi, il y en a qui progressent à vitesse grand V. Costas en fait partie, bien épaulé par Valère. Moi, ce que je trouve, c'est qu'ils sont surtout très complémentaires. Généralement, c'est plutôt Costas qui joue libéro à l'ancienne derrière et Valère qui est devant à presser l'adversaire et à finir les points. Final. Les attaquants, ouais. Putain, non, Mitro en finale. Si on avait voulu, je crois pas. Cette nuit, je vais piquer la bande. J'ai fait un commentaire sur l'équipe que je vais affronter maintenant et que je vais battre à plate couture. Rien que pour laisser la bande son. Au tout début du tournoi, le coach a dit Valère, ça peut le faire, mais Mitro, il tient sa raquette pour les casseroles, donc ils passeront jamais. Et les voilà face à face. Face à face, et je pense qu'ils mènent en plus. Déjà, c'est une très très bonne équipe. Je mets une pièce sur les deux. Les deux attaquants. Ouais. Sur gréco-français. 5-2. Steph, félicitations. Magnifique. On l'accepte avec grand plaisir. Oh purée, faut que je me mette à parler japonais, non? Hein? Voilà. Et toi, t'es quoi comme félicitations numéro? Félicitations au vainqueur. Ah oui, le petit jeune qui débute, excellent. Ah, il n'y a plus beaucoup de public là. Merci. Oh là, on n'entend pas beaucoup là, ouais, merci. Merci. J'ai bien fait de l'organiser quand même ce tournoi. Scénario porté quand même pour vous. Ouais, c'est vrai. On emmenait plus large là, 5 ans en finale contre Valère et Mitro. Et puis on a joué petit bras comme on dit au tennis. On a pu beaucoup marquer de points, ils ont plus fait de fautes, heureusement là, on a quand même gagné, voilà. Non, c'est sympa, c'est de la cohésion, de la convivialité partagée aussi avec les joueurs, le staff dans son entier. Tout le monde était là.
de la sécurité, aux cuistots, à famille qui nous a préparé aussi toutes les affaires toute la semaine, et c'est un gros boulot. Donc voilà, ça permet de passer un bon moment convivial ensemble. Ça resserre les liens, ça donne envie de travailler les uns pour les autres, c'est pour ça que c'est intéressant. Comme ça, il va être de bonne humeur, ils ont raison, ils sont malins les joueurs. Abonne-toi. Merci.